Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Phoenix Point. Je crois qu'on est à la vidéo 29. Ah, ça se passe bien, on a rattrapé un peu notre bordel, parce que c'est un peu la catastrophe. Beaucoup de choses à faire en même temps. Alors, on a les Helios 1 et 2 qui sont libres. Et on a Anu à aider. Bon, on va être honnête, hein, pour ce qui est de Jericho, c'est pas possible. Mais bon, après ils se sont débrouillés, mais ouais, c'est pas possible. En tout cas, on va envoyer Helios 1 et 2. Manticore 1 va simplement revenir à la base pour le moment. Il y a un scarab, il faut qu'il se fasse réparer. Et après, ceux-là, il faut qu'ils augmentent aussi. En recherche, on a pas mal de recherches. On est en train de faire l'entraînement pour que ça aille plus vite. On est en train de faire pas mal de choses. On manque un peu de ressources par contre. On a des véhicules à faire. On a plein de choses à faire honnêtement. Il nous faudrait plus de vaisseaux. On a des sites à faire, des choses à récupérer. On a plein de choses. On a vraiment plein de choses à faire. Donc on va directement aller aider avec Helios 1 et 2. Est-ce que les deux sont prêts? Oui. On va directement aider Anu. Et il y a aussi ça à faire, donc la tanière. Je dirais pas non de faire la tanière après. Comme ça, on fait pas mal de choses en fait en même temps. Enfin, en même temps, les uns après les autres. Et après, en fait, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. On a toujours une équipe à PHB 2. Pour le moment, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. La dernière fois, on avait récupéré encore un peu plus de créatures. Donc, on a un archon, triton, vert, toxique, vert de feu. Donc, ça va. Ouais, on va faire ça. Ils ont repoussé l'attaque des purs, c'est très bien. Oh, là, 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est loin. Qu'est-ce que c'est loin. On va directement envoyer le Manticore, mais ça m'étonnerait qu'on... Enfin, quoi que si, en théorie, oui. Je sais pas, on verra. Alors, ok. On est bon. On va vérifier. Ça commence, hein, les combats de tous les côtés. Toi, tu vas virer ton arme. Un chargeur supplémentaire. Toi, t'as encore du paralysie. Toi, t'es bon. Toi aussi. Adèle aussi. Toi, t'as 3 paralysies. Ok. Ok, très bien. Ça marche. Lui qui a jamais fait de combat de sa vie. Bah, il a pris, il s'est entraîné très vite. Hein. Il est monté niveau 7 assez vite. Donc, du coup. Bah, t'es bon pour le combat. Hein. On t'envoie, quoi. Voilà. C'est pas. On cherche pas, quoi. Mais dans ce jeu, c'est un peu comme XCOM. Il faut jamais vraiment trop rester sur une équipe. Il faut apprendre à jouer avec n'importe quelle classe, en fait. Et faire le mieux avec ce qu'on a. Parce qu'après, il y a trop de choses en même temps. Là, on est un peu à la ramasse. Parce qu'on doit être à plusieurs endroits à la fois. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on a... C'est quoi? Structure, oui. Ok, ça marche. Des grosses structures. Standing by. Here. Target detected. Où ça? Triton sur la droite. I'm repositioning. Looking for an angle. T'as quoi toi? T'es un sniper le triton?
identifier. Oh là là. Il nous faut vraiment des armes laser. Il nous faut vraiment des armes laser. Quand on fait pas des choses qui ont besoin de détruire l'armure, il faut des armes laser. Parce que là on galère. Oh, pourquoi t'es tout en arrière, toi ? Moving to position. Notre copain. I missed. What? Tu viens tirer en plus sur la structure. I'm repositioning. Alors ça, c'est magnifique. Ça. Moving. Incroyable. Preparing to fire. Excusez-nous, on est un peu incompétents des fois. Pardon. Pardon, Anu. Moving in quick. My turn. Si je te fais... Ouais, c'est bon. C'est juste pour avoir un peu plus de deux. Très bien. Comme ça, on peut faire ça. Là, on a... un mec de Anu. Va pas trop loin. Non, va pas trop loin. Je sais pas pourquoi tu te m'as découvert, mec. Mais... C'est quoi ce bruit? Ah. Violent, violent viral. Ah, il va tirer deux fois. Ça fait mal, hein. Elle prend cher, la cuve. Bon, voilà. Elle a pris cher. J'ai encore ma liste de ce qu'on doit attraper, ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Ah. Oh. Putain d'enfoiré. C'est quoi cette vue toute pourrie, là? Je comprends rien à ce que je vois. Putain de brume partout là. Très bien. Bon, ils ont tous l'air d'être là, hein, par contre. Donc ça devrait aller. Alors, par où on passe ? Honnêtement, de modifier nos soldats et pour avoir une tête d'extraterrestre, enfin de tête de crabe, ça va être compliqué de communiquer, je pense.
peux passer par là? Oh mon dieu, par là. Alors il y a un truc, oui, je crois que la tentacule... Ah mince, j'aurais dû peut-être me mettre là pour éviter de... pour avoir encore un point. Ah non, c'est deux points d'action. Mais si je dis pas de bêtises, le... Alors... Attendez, c'est ça. Attaque tentaculaire. Alors, donc ça c'est quand on attaque. Et après on a riposté au corps à corps avec des tentacules contre les attaques d'ennemis à proximité. Donc il peut riposter aussi. S'il se fait attaquer. Ça m'emmerde un peu. Le... Là, on a vraiment un... C'est pas un endroit pourri, là. Do we have a plan? Bah, pas des masses. J'avoue que c'est un peu le... un peu la merde. Comms online. On my way. Il y a lui qui me fait chier là. Mais toi tu vois strictement rien. Enfin, je sais pas. Ça c'est une structure. Enfin, tu dois pas avoir grand chose en fait. Du coup on va pas te mettre à découvert. Ouh, c'est quoi ça? C'est un archon brut qui est contrôlé mentalement. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est le disciple. Intéressant. Je suis pas très fan, mais... Ça, c'est un point. Be right there. Oh, il y a un autre truc là apparemment. Mais du coup tu pourras pas... Oh merde, il a pas assez, fait chier. Du coup tu pourras pas... sniper. Looking for an angle. C'est marrant que tu vois au pistolet mais pas au... au fusil. Ouh, j'aime pas trop cet endroit. Un peu mal fait là. Et mal positionné. Pas mal. Pas mal, pas mal. Panique. Là. Oh, énorme! 24, c'est énorme! Ça tue! Ah, mais oui, mais c'est pas un fusil de sniper. Ah, ouais, panique, c'est la merde. Mais c'est énorme son truc!
Et ça lui a utilisé des p... Ouais, ça lui a utilisé de la... du... de la... Mais c'est super bon! Ce machin. Oh la vache. Attends, triton. Est-ce qu'on a récupéré les tritons? On a récupéré les tritons, hein. Ouais, ouais, on a récupéré les tritons. Par contre, c'est pas des tritons avec... avec des trucs spéciaux, hein. Oh la vache, quoi, la blague. 24, hein, c'est énormissime. T'as quoi en main, toi? T'as un pistolet. On va te tuer, tu peux peut-être nous dropper ton arme. Non, tout en panique. Y a toi, il faut absolument qu'on me défonce, toi. Receiving loud and clear. Targeting. Peut-être. Couldn't connect the shot. What are we doing? Pushing on. On va s'occuper de ça. Okay, donc on avait dit que toi, 130 et saignement 60, très bien. Vingt-quatre, on peut te un point d'action 2, ok. Ah tiens. Ah il me fait chier lui hein. Il me fait bien chier. Là, il va être trop. Oh là là. Il va prendre des tirs pour rien, quoi. Il va me pomper la grappe. Lui. Sprinting to position. C'est abusé ce truc de paralysie là. Vachement bien. Vachement puissant. Faut pas qu'il perde le contrôle. Mais... Je sais pas comment il perd le contrôle. Si est-ce qu'il perd le contrôle genre avant le tour ou après le tour. S'il bouge jamais en plus ce con. Mais bon. Oh! Vache quoi. Dégâts s'il te plaît quoi. Truc de fou quoi. Ready.
open. Here goes. Cadeau. Taking action. Lui me fait chier. Gotcha. Moving to position. Lui, ça va. Il devrait pas trop s'en charger. Ben voilà, là on a une belle vue maintenant. Saloperie. Do we have a plan? Toi. Repositioning, I hope this works. Pourquoi par terre? Sniper des indépendants. Donc il est là. Ah ok, tu m'as fait peur. Il faudrait essayer de tuer lui avant que lui récupère de la paralysie. Mais du coup, je crois qu'on pourra pas. Je crois qu'on pourra pas. De toute façon, en théorie, il pourra pas vraiment bouger s'il est paralysé. Il sera à 22 sur 21. 21 sur 22. Okay. Toi, tu bouges pas. I'll try to stop them. Je veux pas la soigner, je veux la. On va la soigner à Phoenix Point. Finger on the trigger. Très bien. La soignera à Phoenix Point. Pas besoin de d'utiliser les ressources. Je crois que l'autre il est plus possédé. Et voilà. Et oui, fallait le mettre exposé peut-être. Monsieur Anu. Fallait peut-être l'exposer le mec.
Aïe, 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 ils sont pas malins. Ils sont pas très fut-fut. Standing by. Lui, je crois qu'il est mort. Lui, lui faut qu'il meure. Enfin... Ah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire de toute façon. Il te faut deux bras. T'en as plus qu'un sur quatre. Donc on est bon. Il n'y a que lui en fait. Ah tiens, je pourrais soigner mes mecs. Ouais, mais bon. Tellement mal placé. Moving. Sprinting. Bonjour, ça va ? Ow ! Très bien. Parfait. Ready to fire. Yes. Eh ben, c'était... Ça aurait pu mieux se passer. C'est un peu long. Ah, cet endroit, c'est un peu pourri. Hein. C'est un peu pourri. Bon, bah, les mecs, ça va faire un nid, une structure, là. Ça fait deux. Ça fait plus la rip, puis la défense de Anu. Ça fait trois missions, en fait, qu'ils enchaînent sans se reposer une seule fois. Alors ça nous fait du bien parce qu'on était un peu à court. Alors, rédemption. Rédempteur, pardon. Chargeur pour rédempteur. On a eu un fusil d'assaut viral. Du coup, ça c'est cool. Et un sniper. Ça... Pandora n'a pas réussi à identifier son origine. Ça marche. Ouh. Parfait. Alors on a ici. Le Manticore est en route. On va voir Elios. Elios 1, Elios 2. Pensez qu'ils pas. Je pense qu'ils vont y arriver avant le Manticore quoi. Je crois qu'ils vont arriver avant le Manticore. On verra ça la prochaine fois. Recherche. Ah oui, ingénierie inverse du rédempteur. Mais on va pas le faire. Oh yes, plus qu'une heure, ça c'est bon. Ça va aller plus vite. Je pense qu'on va faire... ouais, on va refaire venir, comme j'avais dit, le Manticore à la base. Comme ça, les gens prendront de l'expérience. Là, il faut absolument, si on laisse des gens, en fait, battre donc à PHB2. Donc, on a une station médicale bientôt pour pouvoir soigner ceux qui y sont. On a déjà un quartier d'habitation.
Je dirais qu'il nous faut un entraînement, un lieu d'entraînement. Mais bon, dans un sens, oui et non. Parce que... Fais voir. Le personnel qui a PHB 2, ils sont déjà 6. Et il n'y en a plus qu'un, il en manque. Il en manque, il y en a un qui a déjà 7. Et après, les autres sont déjà 6. Donc, en théorie, non, pas vraiment, en fait. Ouais, non, pas vraiment. Toi, tu viens de monter, ça c'est bien. Contrôle mental, nickel. Nickel, nickel. Mais ouais. On est à 19 personnes. Il faut encore qu'on ait un peu plus de monde, honnêtement. Mais ouais, on lutte un peu, là. Il faut qu'on soit à plusieurs endroits différents à la fois. On a la tanière à faire. Je crois qu'on fera la tanière la prochaine fois. Non, bah non. Non, non, j'ai rien dit. Helios 1 et Helios 2 doivent d'abord aller aider Synédrion. Et après, peut-être, si on est encore en bon état, on fera ça. Tous les trucs aux alentours. Un peu. Ouais, et ça commence à être compliqué. Hein. Après, ils ont des kits de soins, ils peuvent se soigner hein, sur le terrain aussi. Il n'y a, pas trop de problèmes. Hein. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais ouais. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Là, on a... technicien. Je pense qu'on va prendre les gens niveau 1 parce qu'à chaque fois c'est les moins chers parce que les gens qui sont niveau 2-3 honnêtement c'est fou. Direct on tape dans les 1000 et nous on va les on les fait monter de niveau très vite donc j'ai envie de dire. Enfin voilà. Le seul changement qu'on pourrait faire à la base ça serait Phoenix One où on comme on avait dit la dernière fois. On va potentiellement détruire cet entrepôt-là et faire un autre centre d'entraînement. Ce serait intéressant. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera la prochaine fois. On va défendre Synédrion. Et avec de la chance, peut-être que Helios 1 et Helios 2, l'équipage, pourra se reposer un peu. Et après, on va devoir enchaîner sur une tanière, encore une fois. Parce que la tanière, c'est bien pour la diplomatie. Mais surtout, c'est qu'après, la diplomatie chute. Plus on la laisse, plus ça chute. Donc, voilà. Après, on a encore plein de points à scanner. Donc, ouais. Ce sera tout. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.